acclamons pour le Seigneur. Acclame pour le roi. Élevons nos mains. Levons-nous et levons nos mains. Demandons au Saint-Esprit de nous conduire pendant cette portion. Que la puissance de Dieu agisse en nous du commencement à la fin. Prions. Père, nous sommes devant toi. Que le Saint-Esprit descende et qu'il nous conduise. Que ta puissance agisse en nous du commencement à la fin. Détruisons toutes les œuvres de Satan. Que ton sang nous couvre. Que ceux qui sont en chemin soient couverts par toi. Détruisons toutes les œuvres de Satan au nom de Jésus-Christ. Donne de la force au prédicateur et à l'interprète pour te transmettre fidèlement l'ilobanayo. Pour transmettre fidèlement ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons et prenons nos places. Nous sommes réunis ici pour écouter la parole de Dieu et prier. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous appelez à l'heure qu'on l'a. Parce que vous êtes aussi à temps pour suivre la prédication. Les choses dont on parle sont des choses très importantes. Il faudrait qu'on fasse vraiment attention pour les suivre jusqu'à la fin. Nous parlons de comment vaincre les divinités. Comment une personne peut vaincre les divinités? Dans le monde spirituel, nous avons plusieurs divinités. Mais pour plusieurs, le combat s'arrête au niveau des esprits. D'autres ne sont pas encore arrivés au niveau de combattre les divinités. Mais en cette session, Dieu élève notre niveau. Amen. Amen. Pour que nous puissions avoir la force de combattre les divinités. Pour vaincre les divinités, il faut combattre. Pour combattre et vaincre, il faudrait savoir avec qui, contre qui tu combats. Il faudrait savoir quelle est la divinité contre qui tu combats. Si la personne sait contre qui il combat, il a un certain avantage. Mais si tu ne sais pas contre quoi tu combats, c'est difficile. Parce qu'on rebondit dans le vide. Parce que tu combats dans le vide. Montagnon se singela yeba divinité. Oya lingi kolonga. Tout le monde doit savoir quelle est la divinité qu'il veut vaincre. Ezali nzambe ya mwasi to nzambe ya mobali. Est-ce que c'est une divinité masculine ou une divinité féminine? Alors, Robito Lobaki, la colonisation tango yé na kati en Afrique. Hier, nous avions dit que lorsque la colonisation est arrivée en Afrique, bayaki na ba religion na bango, ils ont apporté leur religion. Bayaki na ba nzambe na bango ya mibali pe ya basi. Ils ont apporté leur divinité masculine et féminine.
Ils sont venus avec ces divinités pour que ces divinités les aident. Pour qu'ils aient la possibilité d'influencer les Africains. Effectivement, ils ont influencé spirituellement. Effectivement, ils les ont influencés spirituellement. Ils ont influencé la culture. Ils ont influencé la culture. Ils ont influencé la religion. Ils ont même influencé les religions. Alors, le Kolabaya qui n'a pas nzambe na bango. Comme ils ont apporté leur divinité. Bah poussé batu mwindu, basa la boyoka ni na banzambe na bango wa. Ils ont poussé les noirs à faire des alliances avec ces divinités là. Peu batu mwindu mususu ba teki mabele na bango, ba pesi yango na banzambe wa. Et certaines personnes, certains noirs aussi ont vendu leurs terres et les ont données à, ils ont offertes à ces divinités là. Bandimi pe lolenge na bango ya kosanjola. Banzambe na bango wa. Et ils ont même accepté leur culte. Pe ba komi ko salela yango. Ils les ont utilisés. Alors tango biso to tikali siko ba koko ba kufi. Alors quand nous sommes arrivés, nos ancêtres sont morts. Tozali komi retrouver spirituellement to tekami. Nous nous retrouvons vendus spirituellement. Po ba divinité banzambo ya mike mike o bazali ko dominer biso. Tozana maîtrise te likolo na bango. Parce que les divinités qui dominent sur nous, nous n'avons aucune maîtrise sur elles. Alors, na lobaki pour na Congo. J'avais dit que pour le Congo. Nanzela ya est. Du côté est. Ezali ba asiatique ba kota ki kuna. Les asiatiques sont entrés par là. Nandambo ya centre. Et ont pris une partie du centre. Ba arabe ba ki kuna. Les arabes étaient de ce côté-là. Nde bozo mona islam. Ezo sala rage na ngambo yo kuna. C'est pour ça que vous voyez que l'islam fait rage de ce côté-là. Mais na bangambo mususu. Mais de l'autre côté. Ezo mona ke za catholique nde ezali implanté kuna. Nous voyons que c'est le catholicisme qui est implanté. Po eza ba portugais, ba anglais na ba belge ba ba kota ki kuna. Parce que ce sont les portugais, les anglais, les belges qui sont entrés par là. Amen. Amen. Alors makambo na za koloba. Les choses dont je parle. Ezo makambo ya lelote. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont de vieilles histoires. Comme tu es dans le Seigneur aujourd'hui, tu dois les connaître. Parce que tu dois savoir contre qui tu combats. Tu ne peux pas te battre dans le vide. Alors, il faut savoir ceci. Tous les peuples qui ont fait des alliances avec des déesses pour en recevoir de la force, pour pouvoir avoir la séduction, pour avoir l'amour, pour avoir la beauté, pour avoir la maternité, la fécondité, pour avoir le charme, pour avoir la domination sur les hommes. Ces divinités féminines là, on les appelle les déesses. Dans ce coin là, ces personnes là auront un comportement dont nous allons parler aujourd'hui. Mingi ba divinité wana, ces divinités là, ezali côté oyo bato baza pemeni na mai, se retrouvent dans les peuples qui se trouvent près des parce qu'en alobaki divinité moko ya munene ayebani na Afrique pe na Congo wa. Parce que nous avons dit qu'il y a une divinité très connue en Afrique qui s'appelle Mami Wata. D'autres l'appellent Sirène. Amen. Amen. Alors, batoyo basali ba boyokani bazwi nzambe wana ya toloba nzambe ya muke ya mwasi wana koma nzambe na bango. Ces personnes qui ont fait des alliances et ont pris ces déesses là pour en faire leur déesse. Nzambe wana akoya na contrée wana. Cette divinité viendra dans cette contrée. Akoya ko konza yango. Et va contrôler. Mais sengeli basala échange. Mais ils devront faire un échange. Lokola na mokili na bato bayebi ke nzambe wana divinité wana yazaki toko koleka nyonso na mokili. Comme les humains savent que cette divinité est plus belle que tout le monde sur terre. Okoma na bato bako senge mingi kitoko charme. Domination, ainsi de suite. Tu verras que les gens vont lui demander la plupart du temps la beauté, le charme et ainsi de suite. Alors pour natina na basi, pour les femmes, ba kozala na bizaleli lokola oyo. Elles auront cette caractéristique. Okomo na basi ba kozala kitoko. Les femmes seront belles. Kitoko na elongito, kitoko na mulai. Elles seront belles de figure ou belles de corps. Basi ba kozala basi o bazali ko séduire.
Ce sont des femmes séductrices. Bazana charme. Elles auront du charme. Alors, ndenge naza koloba ko séduire. Ezali ozokutana na mutu boye. Quand je parle de séduction, c'est-à-dire que quand tu rencontres une personne, quand tu la regardes, tu vois que cette personne a la séduction en elle. Elle-même ne se rend pas compte qu'elle séduit. La beauté dont on parle, ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas la beauté. Mais ça, c'est une beauté qui découle d'un contrat. C'est-à-dire, on leur donne parce qu'ils sont allés chercher cela chez cette déesse qui donne la beauté. Les femmes de cette contrée seront fortes, seront des femmes fortes. Des femmes qui s'imposent. Ce sont des femmes libres. Ce sont des femmes libres, indépendantes, qui peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Personne ne peut les dominer. On ne peut rien leur imposer. Les femmes de cette contrée seront facilement impudiques. Ce sont des femmes adultères. Ce sont des femmes prostituées. Des lesbiennes. Elles ont aussi la capacité de pratiquer la zoophilie. Ce sont des femmes qui sont comme des hommes. Cette masculinité-là n'est pas dans leur physique, mais c'est plutôt dans leur caractère. Elles n'auront pas la pitié ou la compassion reconnues. Elles dominent les hommes, elles dominent. Lolenge wana, basi oyongambo kuna. C'est ça, ce sont là les caractéristiques des femmes de cette contrée. Pourquoi? Parce que tango divinité à moi ça zakoya. C'est parce que lorsque la divinité féminine arrive, azakoya lokola nzambe. Elle vient comme un dieu. Baoyo babengiye aya na bomoyi na bango. Les gens qui l'ont appelé pour venir dans leur vie, yé akwa agir à travers bango. Et elle va agir par eux. Parce que ce gel koya bake. Nzambo tozo sambela. Faudrait savoir que le Dieu que nous prions, azako se manifester lokola mobali. Il se manifeste comme un homme. Tozo benge nzambe tata. Nous l'appelons Dieu le Père. Shiko na mukili na molimo. Dans le monde des esprits. Na mikolo nyonso. Dans tous ces mondes, de tous Satana, ces jours. Satan azako se manifester mingi na nzela ya kokamata ililingi ya mwasi. Satan se manifeste souvent en prenant l'apparence féminine. Pona nini? Parce que face à la contraire. C'est parce qu'il doit faire le contraire de ce que Dieu fait. Et tu verras qu'aujourd'hui, dans notre monde, les femmes s'appellent reines. Tu verras que sur les réseaux sociaux, on parle très souvent de queen ou de reine. Alors, mais si vous avez copié. D'autres copient. Mais d'autres sont conscients de ce qu'elles font. Alors, moni basi babimi ebele ba influenceuse ba tout ça, baza ko révolutionner basi mususu tout ça, baza na nguya ya koloba ko baby samayele abatu mususu. Eza makambo zo salema na mokili na biso. Et tu vois que dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont apparues qui se font appeler influenceuses et qui influencent la plupart des personnes qui les suivent. Mingi mingi bandi na mikili kuna na mokili na bapoto ezoko ya pe. Et ça vient souvent de l'étranger, d'Europe, et ça vient influencer l'Afrique. Alors, nalobaki que objectif ya Satan, ezali ko détruire. J'ai dit que l'objectif de Satan c'est de détruire, koyiba, dérober, pe koboma, et égorger. Alors, sikoyo ba déesse oyo, toloba ba divinité oyo. Alors, ces déesses ou ces divinités. Alors, bayebi que soki baleki na nzela ya mwasi. Elles savent que lorsqu'elles passent par la femme, pour Satan, azana sexe te. Parce que Satan n'a pas de sexe, tout comme Nzambe pas azana sexe te. Et comme Dieu n'a pas de sexe non plus. Maintenant, si que Satan azana ko se manifester lolenge wana, parce que ayebi que mutu po solo lana ye,
Il s'attend à se prendre la forme d'une femme parce qu'il sait que pour converser avec une personne, il doit prendre une certaine forme. Alors, il sait qu'il doit utiliser la femme pour atteindre le monde entier. Alors, il sait que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été copiés. Alors tu vois que les gens qui voient ces choses se faire les copient. Mais objectif ezalini. Mais quel est l'objectif? Ko détruire o nzamba chaki nesika. C'est de détruire ce que Dieu a créé. Ozomona ke lelo na mukili na biso oyo. Tu vois qu'aujourd'hui dans notre monde, eloko bengami libala. Ce qu'on appelle le mariage. Eza sona valeur te. Est devenu sans valeur. Pona nini? Pourquoi? Parce que ba divinité ba envahir mukili. Parce que les divinités ont envahi le monde. Et pe bazali ko teya bato. Et elles enseignent de déclasser, de ne pas considérer le mariage. Alors, et tu verras que plusieurs femmes n'ont pas le mariage dans leur parce tête. Parce que Satan a détruit pensée yalibala, pensée originelle yalibala na mituna bango. Et c'est parce que Satan a détruit la pensée originelle du mariage dans leur tête. Alors, bah, déesse wana, bah, alors, se présenter que vivre sans problème. Alors ces déesses viennent de vous présenter que vous pouvez vivre seul sans problème. Alors, ça ne commence pas aujourd'hui, ça ne date pas alors, d'aujourd'hui, ça vient de loin. Aujourd'hui, ce n'est que la résultante de ce que les gens ont accepté et ont fait à soi. Alors les gens voient la télé, ils acceptent. Ils voient sur Internet et ils croient. Alors comment on a comportement aujourd'hui? Alors tu vois ce comportement. Dans toutes les femmes qui ont ce comportement. Si tu fais un suivi. Tu verras qu'elle découle, elle descend d'une monarchie dans laquelle il y avait une reine. Il y avait une déesse. Où la royauté était plus du côté de la femme. C'est pour ça que ces femmes ont raison de se faire appeler queen. Si elles ne sont pas appelées queen, elles se font appeler princesse. C'est juste que quand l'esprit est rattrapé, c'est seulement que les esprits les ont rattrapés et révélé vraie identité na bango. Et ont révélé leur vraie identité. Alors la plupart, ce sont des femmes où alors la plupart ce sont des femmes qui circulent dans le monde et qui parlent de la liberté de la femme et elles combattent pour la liberté de la femme. Peut-être qu'elles-mêmes non plus ne sont pas libres. Alors ces choses, si chez vous plusieurs échouent, nous ne voyons qu'aujourd'hui. Mais il faut retourner un peu 10 générations plus tôt. Tu verras que les choses dont je parle se retrouvent. Il y en a d'ailleurs qui ont perdu leurs origines. Nous sommes devenus Kinois, nous sommes devenus Européens. Mais nous ne savons pas vraiment comment ça se passait. Alors, bizarre, oyo. Alors ce comportement révèle caractère, comportement, il y a bateau, va tirer source na bango, bateau va tirer source na bango, na mabota na bango. Ce caractère révèle le comportement des personnes qui ont tiré leur puissance ou leur pouvoir des divinités féminines. Soit qu'on n'est pas na bango, bazalaki na bokonzi. Où elles avaient la royauté ou l'autorité qui était donnée aux femmes. Là, nous parlons des femmes. Alors, pour les hommes, tu verras que les hommes de cette contrée seront faibles d'esprit. Ce ne sont pas des hommes masculins. Parce que divinité yangambo na bango. Parce que la divinité de leur contrée, c'était une femme. Alors son objectif à elle était de dominer, de diminuer l'homme. Alors comment on a mibali wana facilement homosexuel. Tu verras que les hommes qui sortent de là deviennent facilement homosexuels. Bonjour mon ami bali wana baza ko sala komisala bazo ndima ba sala bango opération pour ba changer sexe. Et c'est ces hommes qui feront des opérations de changement de sexe. C'est-à-dire que azako mi sentir à l'aise tena ko sala mobali. Ils ne se sentent pas à l'aise dans leur corps d'homme. Alors bazo sala ba transgenre. Ils deviennent transgenres.
Donc pour bakokana ko changer sexe na bango. Pour être capable de changer de sexe. Bazali ko accepter facilement domination ya basi likolo na bango. Ils acceptent facilement la domination de la femme sur eux. Eza mibalo bazali ko assumer ki mobalité na bango te. Ils n'assument pas leur masculinité. Eza facilement bakoko adopter comportement ya basi. Ils adoptent facilement le comportement féminin. Bakoko loba lokola basi. Ils parlent comme des femmes. Bazoko tambola lokola basi. Ils marchent comme des femmes. Bakoki même kolata bilamba lokola basi. Ils peuvent même s'habiller comme des femmes. Bakoki komi coiffer le col à basse. Peuvent se coiffer comme des femmes. Bah, quoi, ils se maquillent le col à basse. Ils se maquillent même comme des femmes. Et mi bali oyo ya modèle oyo. Et ce genre d'homme. Baza inoffensive liboso na basse. Sont inoffensifs devant les femmes. Ceux qui bango bazo fana na basse. Quand ils vivent avec des femmes. Basse baza comme ils sentir à l'aise. Les femmes se sentent à l'aise. Bango pe bazali kozala à l'aise. Et eux aussi se sentent à l'aise. Wana ezali na coin oyo ba divinité oyo. C'est ce qui se passe dans les contrées où les divinités féminines régnaient. Et koko zala likolo na tribu moko. Ça peut être toute une tribu. Et koko zala likolo ya clan mobimba. Ou un clan. Non, comment on a battu un modèle oyo bazali kobima kuna. Qu'on va retrouver ce genre de personnes. Alors, tant que la divinité bazali ko régne. Quand ces divinités règnent. Nabisika bango bazali ko régne bazo pe sa pouvoir. Dans les endroits où elle règne, elle donne le pouvoir. Lokola siko Satan a se manifesté lokola na image ya mwasi. Comme Satan s'est manifesté comme une femme. Bakopé sa pouvoir na basi. Il a donné le pouvoir aux femmes. Alors ba divinité bakopé sa pouvoir na basi. Cette divinité là vont donner le pouvoir à la femme. Kananzela na basi po ete bakokana ko osala contraire ya Nzambe. Elles vont passer par les femmes pour faire le contraire de Dieu. Amen. Amen. Alors ndakisana awa na biso na Afrique. L'exemple ici en Afrique. Alors biloko na lobi kezo sale mamingi na bato yo bazali pembeni ya mai. Ces choses se passent souvent dans les contrées qui sont près des courants d'eau. Ezo sale makati na bomo ina bato me bato baza koye bate ezo uta wapi. Ça se passe dans la vie des gens mais ils ne savent pas d'où ça vient. Toji ndakisaloko la na biso en Afrique. L'exemple ici en Afrique. Toji RDC. Nous prenons la RDC. Du 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Du 15e au 19e siècle. Tozana royaume moko bantu babengi yango Loango. Nous avons un royaume bantou qui s'appelait Luano. Luango wana eza royaume oyo ezalaki ko s'étendre ko banda Angola, koya na Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ti na Gabon. C'est un royaume qui s'étendait depuis l'Angola en passant par le Congo Brazzaville jusqu'au Gabon. Ezalaki royaume moko. C'était un même royaume. Siko na kati na royaume wana. Dans ce royaume. Quand tu observes les gens qui en sortent, ce sont des peuples qui vivent près des cours d'eau. Parce qu'à Mwanda, en Angola, tu verras qu'il y a l'océan. Quand tu vois aussi en RDC, il y a le Bas-Congo, il y a l'océan et le fleuve. Au Congo Brazzaville, la même chose. Tu vas au Congo Brazzaville, c'est la même chose. Et c'est des outils à Gabon. Et ça s'étend jusqu'au Gabon. Alors, royaume wana, ce royaume-là, il parlait la même langue. Donc, au Congo, baza ngambo na Angola, bazali na Congo awa, baza na Congo Brazzaville. Même na Gabon. Tu verras que ces Bakongo là vivent en Angola, au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville et même au Gabon. Ezaka ka Bakongo te ekeyi parce que frontière na biso na Angola ezati na Bakasai kuna eke na ngambo yo kuna. Ce n'est pas seulement les Bakongo mais ça prend la frontière jusqu'au Kasai. Siko bato yo ba existé presque na 15e siècle, ti na 19e siècle ndé et bandi ko disparaître. Ce peuple a existé depuis le 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Mais l'habitude na bango etikali. Mais leur tic demeure. Royaume ondenge ni nezala ko vivre. Comment ce royaume vivait? Pona bango soki muto akomi mokonzi. Pour eux, lorsque quelqu'un prend le pouvoir, mokonzi akope sa mokonzi na neve na ye. Le roi donnerait le pouvoir, léguerait le pouvoir à son neveu. Akope sa na neve na ye, mwana ya liboso ya ndekone ya mwasi. Il donnerait le pouvoir à son premier. Mwana ya liboso ya mobali ya ndekone ya mwasi. L'aîné de sa sœur. Alors akope sa ye bokonzi. Il lui donnerait le pouvoir. Pona nini? Parce que bango baza koloba ke bokonzi soko pesa ngona mwana ya mobali parce que bana wana babotami, qu'est-ce qui prouve que baza bana mobali wana? Parce que lorsqu'il donne le pouvoir au frère, il se pose la question, qu'est-ce qui prouve que c'est effectivement l'enfant du frère? Yango wana bango bakopesa bokonzi na bango na ngambo ya basi. C'est pour ça qu'il lègue le pouvoir du côté des femmes. Alors, omoni ke basi siko baza na pouvoir koleka.
C'est là que tu vois que les femmes ont plus de pouvoir. C'est comme ça que tu vois au Congo. Et c'est pour ça que tu vois ici au Congo, il y a des gens qui te disent, qui te convainquent que ces enfants, que tu n'es pas sûr que ces enfants sont à toi. Les enfants que tu dois supporter, ce sont les enfants de ta sœur. Mais culture est bandit musika. Mais la culture vient de loin. Mais bah, tu peux basali ko consommer yango. Et les gens la consomment. Pourquoi? Parce que bah, DS, bah, les kaki kuna. Parce que les DS sont passés par là. La ba mwanda kuna isa la ba manifestation ya ba. Ba sirène ba bimakana ba mai kuna. À Mwanda, il y a des manifestations de sirènes qui sortent. Ah, on a ba fleuve, n'en parlons même pas. Au fleuve, n'en parlons même pas. Mais est-ce qu'on va imposer bokonzi na bango? Elles ont imposé leur règne. Même si les lois sont salées. Jusqu'à ce jour, ça se mais fait. Mais bah, ba tikale na ngoka lokola coutume. Il y en a qui les gardent en tant que coutume. Mais ba yebi origine na yangote. Mais ils ne connaissent pas l'origine. Amen. Amen. Siko na ngambo kuna neti na ngambo ya ba Katanga kuna. Mais alors du côté Katanga. Eza na ba bemba. Il y a les bemba. C'est la même chose. Eux aussi, c'est la même chose. Le pouvoir vient des femmes. J'étais à Mweneditu. C'est la même chose. Les Kanyok aussi, c'est la même chose. Donc, le règne vient des femmes. Parce que le grand roi afanda kakuna na Bakanyok ya likolo. Parce que le grand roi qui vit du côté de Bakanyok a vu son pouvoir d'une femme. Malgré qu'Aza Mobali. Malgré le fait que soit mais un homme, mais leur pouvoir vient du côté si lui quitte le pouvoir et quelqu'un le remplace, cette personne devra venir du côté de sa lignée maternelle. C'est pas seulement en Afrique. En Asie, Ezali. En Asie aussi, il y en a. Je peux citer certains pays. En Amérique, il y en a. En Australie, il y en a. En Europe, Ezali. Même en Europe, il y en a. Au sommet, tous en Europe, en Angleterre, tous en Reine. Comme en Europe, par exemple, vous avez la reine d'Angleterre. Alors, mon reine, wana, cette reine-là, à parvenir qu'on s'imposer dans mon kilimo bimba. S'est imposée dans tout le monde. Parce que pouvoir est à anglais. Parce que le pouvoir des Anglais. Et l'équipe à bas français. Est plus que celui des Français. Et l'équipe même à bas allemand. Il est plus que celui des Allemands. Anglais ont dominé les lois mon kilimo bimba. L'Angleterre domine tout le monde. Anglais. L'anglais. Ils ont dominé Mokilimo Bimba. L'anglais domine tout le monde. Mais qui dirige ce pays? Reine. C'est une reine. Ce qu'il faut dire, c'est que les gens en Amérique. Et cela va jusqu'en Amérique. Na kalamingi te français otozo koloba ekolimo. Bientôt vous verrez que le français que nous parlons ici va parvenir à s'imposer. Ils ont réussi à s'imposer. Talami tuka ezali koyela biso. Et vous regardez les véhicules qui viennent. Bakotina partout. Ils sont allés jusque chez les Arabes. Le volant est de quel côté? Volant est à droite. Levier bazo koti sango na vitesse bazo koti sango na gauche. Le volant est à droite et le levier de vitesse est à gauche. Et puis nani code de la route na bango? Et leur code de la route? Bazo tambola contraire na oya biso. Il roule de sens contraire du loi ezali ko pencher na ngambo ya mwasi. La loi penche du côté de la femme. Likolo ya nini? Pourquoi? Parce que c'est une guerre ya ba esprit. Parce que c'est une guerre d'esprit. Mais ba petit esprit ba ko comprendre makambo te. Les petits esprits ne peuvent pas comprendre les choses. C'est une guerre ya ba divinité. C'est une guerre de divinité. Satan alinga konza mukili. Satan veut diriger le monde. Asa la contraire na o nzamba za ko sala. Il veut faire le contraire de ce que Dieu fait. Alors soko ko tala kuna pa na bango na mikili ezali développé. Quand tu regardes chez eux dans les pays développés. Place sur anglais, baleka. Partout les anglais sont passés. Comment on a numéro 1, moi si. Le numéro 1 c'est une femme. Numéro 2 bana. Après ce sont les enfants. Numéro 3 ezaba nyama. Ensuite les animaux. Numéro 4 mobali. Et quatrièmement ce sont donc, les hommes. Donc mobali azali marche pied. Donc l'homme est le marche pied. Bazo kipe kutuyete. On s'occupe même pas de na lui. Na mikilikuna ya poto. On à l'étranger so en Europe. Soki moi so j'ai problème na mobali. Si toi femme tu as un problème avec so un homme. Soki mobali ake kufunda. Si c'est un homme qui vient à 500 mètres. On lui donne une distance de 500 mètres. Même 1 km. On peut même te donner une distance d'un kilomètre. Tu ne peux pas t'approcher de cette femme. C'est pour ça qu'il y a plusieurs mariages de Congolais. Quand ils vont en Europe, et leur mariage se divise. Parce que c'est comme si les femmes se réveillent d'un sommeil. C'est comme si elles retrouvent leur liberté. Si tu es l'écrasé, tu l'emmènes en Europe. Elle reçoit la folie de l'Europe. 500 mètres. On va te donner une restriction de 500 mètres. Tu as raison ou tort. Bako tchayo nanu 500 mètres. On te donne une restriction de 500 mètres. Donc, ce que moi, si, à fond, quand c'est une femme qui t'accuse, c'est grave. C'est très grave.
Alléluia. Amen. C'est tout un règne, une domination qui vient des divinités. Mais cela va dominer tout le monde. Mais cela va dominer tout le monde. Tout cela, c'est pourquoi? Parce que Nzambe tchaki mobali likolo ya mwasi. C'est parce que Dieu a placé l'homme au-dessus de la Satan alobi kokozala bongo te. Satan dit que ça ne peut pas se faire. Mwasi fazala likolo ya mobali. C'est la femme qui doit être au-dessus de l'homme. Alors, ezalo ko la comportement kati na bato. C'est un comportement parmi les hommes. Alors, bato nyonso bazana ba comportement lokola. Toutes les personnes qui ont un tel comportement et ceux qui les appuient, si tu observes dans leur famille, tu verras que la royauté venait des femmes. Et si tu vas plus loin, tu verras qu'ils ont tiré ce pouvoir là par une divinité. Alors toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas consommer tout ce qu'on te présente, parce qu'il y a certaines choses qui viennent. Nous avons un combat de divinité. Oyebi, qui si magie mounene et outande na Egypte. Tu sais, les grands mystiques, la magie vient d'Égypte. Magie à mounene na mokili et outane Egypte. La plus grande magie du monde vient d'Égypte. Parce que kunande bitumbe salamaki lokola na sewa na mokili. Yanzambe contre Satan. Parce que là, c'est là que le combat entre Dieu et Satan s'est fait ici sur terre. Ils ont combattu dans le ciel. Elles ont combattu ici sur terre. Lié à combat na bango Égypte. Le lieu de leur combat, c'était l'Égypte. Oyo Nzamba sali, Satan n'a pas sali. Ce que Dieu fait, Satan aussi réplique. Baketi na 12 plaies. Ils vont jusqu'aux 12 plaies. Nzamba tché, Satan na tché. Dieu fait et Satan fait la même chose. Na mokili wana. Dans ce monde là. Ne place Nzamba déploya nguya na ye ya kosakana te na kati na mokili wana. C'est dans ce pays là que Dieu a déployé sa plus grande puissance. Oyo nanu atikala ko déployer te na mokili. Qu'il n'a jamais déployé dans le reste du monde. Parce que zalaki loko la base, bastion ya Satan. Parce que c'était comme si c'était le bastion de Satan. Magie nion soza ko existe na mokili. Toute la magie qui existe du monde. Source nango uta na Egypte. Tire sa source d'Égypte. Même si tu vas en Inde, elle tire aussi sa source d'Égypte. Pourquoi? Parce que ce que moni na mutu ya pharaon wana. Parce que si tu vois sur la tête de pharaon, il y a un cobra. Donc pharaon azalako fanda pembeni ya mai. Donc pharaon vivait près des eaux. Ye moko azalaki lokola nzambe. Lui-même était comme un dieu. Alors fallait nzambe asiliseka kana mai. Il fallait que Dieu finisse avec lui le service. Et il a ouvert les eaux. Voilà pour la kaza na bokonzi likolo ya mai. Montrer que lui a l'autorité sur les eaux. Force ya pharaon azalako tirant na mai. Parce que pharaon tirait sa force des eaux. Moni ba konzebele ya mokili. C'est pour ça que tu vois plusieurs autorités du monde. Ndako na bango ezalaka pembeni ya mai. Leur résidence se trouve souvent près des eaux. Parce que bazali na alliance na ba divinité wa. Parce qu'ils ont des alliances avec ces divinités là. Alors makambu oyo esengelo mitala malamu. Alors observe-toi bien. Toye pa ina nkolo. Nous venons vers le bunda. Seigneur. Nous combattons. Mais toujours bunda na ba arme nini. Mais avec quelles armes combattons-nous? Toujours bunda tant mousu na ba arme ya Satan. Peut-être que nous combattons avec les armes de Satan. Toujours bunda peto yebite ndenge nini toujours bunda. Nous combattons, nous savons même pas comment nous combattons. Ezo sala ke tokoka na kozwa elonga te. Et ça fait en sorte que nous ne puissions pas remporter la victoire. Alors, essayez-le comprendre. Alors, il faut comprendre. Na lignée paternelle na yo. Dans ta lignée paternelle. Nzambe nini oyo bango bazalaki kosambela. Quelle était la divinité qu'il priait? Nzambe ya mwasi to nzambe ya mobali. C'est une divinité masculine ou une divinité féminine? Awa na Congo oyo tozali na bande ko mususu barega kuna na Kivu. Nous avons aussi les Rega ici au Congo. Bazalina nzambe na bango kombo na Kimbilikite. Ils ont une divinité qui s'appelle Kimbilikite. Kimbilikite wana azalo kola mwasi. Kimbilikite est comme une femme. Mibali nyonso il faut ba kende ko coucher na Kimbilikite na zamba. Tous les hommes doivent coucher avec Kimbilikite dans la forêt. Maintenant ce tango ba kozonga na mukili bo ba kokoma ndenge nini. Quand ils reviennent maintenant ici dans le monde, comment ils deviendront? Alors moni ba tout modèle wana. Alors ce genre de personnes bazana divinité na bango. Ont leur divinité. Ba tout nyonso bazako appartenir na ikolo wana. Tous ceux qui appartiennent à cette tribu ont déjà une divinité. Maintenant, toi, tu viens pour prier. Tu viens prier Dieu. C'est un problème. Il faut savoir que les dieux ne peuvent, les divinités ne peuvent pas vivre ensemble. Nous avons le grand Dieu qui est appelé le Dieu d'Israël. Nous avons le petit Dieu, la divinité qui est appelée le Dieu d'Égypte. Alors dans le monde, il y a deux choses.
Tous ceux qui ont cru au Dieu d'Égypte ne peuvent pas prier le Dieu d'Israël. Parce que s'ils prient le Dieu d'Israël, c'est comme s'ils trahissent leur alliance. Ils devront mourir. Et ceux qui prient le Dieu d'Israël ne pourront pas prier le Dieu d'Égypte. Quel est le Dieu d'Égypte? C'est Satan et tous ses ministres. Il n'est pas resté en Égypte. Il s'est répandu dans tout le monde. Et il agit dans les tribus. C'est comme ça que tu vois que les gens qui arrivent à un certain niveau, qui se retrouvent avec des réclamations. Réclamations pourquoi? Pourquoi les réclamations? Parce que c'est parce que tu arrives au niveau des divinités. Ces divinités disent que tu ne peux pas dépasser. Ils peuvent aussi descendre et venir t'écraser. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu vois que nos frères du Bas-Congo, je pense que c'est bon. Hein? Je pense que c'est comme ça. Moi, je suis le papa ou la maman au Bas-Congo. Au Bas-Congo, l'enfant est à la mère ou au père. Ya maman. L'enfant appartient à la mère. Chez nos frères, c'est comme ça. Mibali baza na comportement. Et tu verras que les hommes ont ce comportement-là. Et tu verras que les femmes sont des femmes qui dominent. Ce sont des choses qui viennent des eaux. Parce que alliance na ba divinité ya ba déesse ya mai. Parce qu'ils ont fait des alliances avec les déesses des eaux. Et puis tu verras qu'au Bas-Congo il y a beaucoup de divinités. Banzambe bazo bima bima kaka. Et les divinités ne font que sortir. Jusqu'à ce qu'une divinité masculine apparaisse. Mais malgré que bimi nzambe ya mobali, malgré le fait que soit une divinité masculine, ko dominer likolo na banzambe ya basi. Il n'a pas pu dominer sur les divinités. Seulement dans ce coin-là. Pourquoi? Parce que c'est un combat de divinité. Parce que c'est un combat de divinité. Vous qui croyez en Dieu, vous devez comprendre ces choses. Pour savoir comment t'aligner. Suivant tes origines. On a déjà vendu les terres. Ils ont vendu leur dignité. Vous dépendez maintenant de divinité. On peut te laisser avoir certaines choses. Mais souka. Mais en fin de compte, quand tu chercheras à aller plus loin, ces divinités vont t'écraser. C'est pour ça que le mariage est difficile. Parce qu'elles ont d'abord ce comportement. Tu vois quelqu'un qui naît et qui accepte de devenir efféminé. Il marche comme une femme. Il parle comme une femme. Et d'où cela vient-il? Ce sont des choses qui se réclament en lui. Ces esprits sont venus se présenter à lui. Et cela révèle son comportement. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors, ceux qui ont fait des alliances avec des divinités masculines, ces personnes sont trop agressives. Ils sont trop colériques. Ils sont colériques. Mais ceux qui ont fait des alliances avec des divinités féminines, tu verras que les hommes ont un certain tempérament apaisé. Parce qu'ils ont une féminité en elles. Parce qu'à leurs origines, on les a écrasés. Soit. Il faut se rebeller contre la divinité. Wana. Soit ils devront se rebeller contre cette divinité. Pour qu'il entre dans l'occultisme ou dans le fétichisme. Ou qu'il devienne chrétien. Pour changer le lenge na ye. Ou qu'il change sa manière d'être. Amen. Amen. Alors, ce que yo bato yo, ba sali alliance na ba divinité, o ya mibali. Alors les gens qui ont fait des alliances avec des divinités masculines. Bango baza agressif. Tolo baloko la mibali. Ils sont agressifs. Ils ont la même base na bango. Même leurs femmes. Baza trop brutal. Ils sont brutaux. Parce que l'alliance au bango basali. Parce que les alliances qu'ils ont conclues. Nzambe na bango azana lolenge ya mobali. Leur dieu, leur divinité est masculine. Tu vois comme nos frères qui sont du côté de l'équateur. Na basi na mibali. Les femmes et les hommes. Baza presque ndenge moko. Sont presque pareils. Pourquoi? Ce que j'ai différence y a bande qu'on a vu sur bazar kuna na ba bazar na ba Congo comment na ke bokese nezali. Si tu regardes nos frères qui sont à l'équateur et ceux du Bas Congo, tu verras qu'il y a une différence. Ezali ko landana na ba divinité ou bazali ko régne na ba entité wa. Cela dépend des divinités qui règnent dans ces entités là. Alors ndenge tolobaki mukolo ya lobi. Comme nous l'avions dit hier.
Les divinités qui ont la forme masculine, ils donnent la force de combattre, ils donnent la victoire, ils donnent le pouvoir, ils donnent l'autorité, et ils imposent la justice. Et tu verras que des gens qui sont trop directs. Et dans toute cette province là, ou cette tribu là, ils ont tous parce que alliance pour pouvoir, parce qu'ils ont fait des alliances pour avoir le pouvoir. Cette divinité là est vraiment masculine. C'est ainsi que tu vois comment ces gens agissent. Ces choses nous les vivons, nous venons dans le Seigneur, ça nous retient. Ce que tu peux être quelqu'un de très colérique, tu pries mais tu ne comprends pas. Tu vois quelqu'un qui est trop faible d'esprit, mais toi-même tu n'es pas content de ça. Ce sont des choses qui tirent leur origine de toi. Il y a des endroits où tu ne peux pas passer. Tu peux monter mais tu arriveras à un certain niveau, tu ne pourras pas passer parce que tu arrives au niveau des divinités. Ils te laisseront pas passer. Les choses que tu entends ici, c'est pour ouvrir ton intelligence. Que tu regardes dans ta lignée paternelle ou dans ta lignée maternelle, que tu recules un peu. Regarde dans votre province pour savoir comment combattre. Parce que ce que tu vis ne te concerne pas que toi-même. Cela concerne toute votre tribu. Amen. Amen. Divinité quand cette divinité vient dans la vie des hommes, elle vient faire une action. Son premier objectif c'est aveugler les hommes, les empêcher de voir la gloire de Dieu. Le deuxième objectif, c'est pour boucher les oreilles. Que quand ils écoutent la parole de Dieu, et qu'ils ne l'entendent pas, qu'ils n'écoutent pas l'évangile pur, pour être sauvés, ils bouchent les oreilles. Quelle que soit la prédication qu'on peut prêcher, ils ne vont pas entendre. Parce que ces divinités ont déjà bouché leurs oreilles. Pour ne pas entendre le son de cloche de l'évangile de Jésus-Christ. Troisièmement, c'est pour boucher leur intelligence. Pour qu'ils ne comprennent pas la vérité. Leur intelligence est assombrie. Alors ce que nous voyons, c'est que c'est comme si c'est des ténèbres qu'on a c'est comme des ténèbres qui sont sur toute une tribu ou tout un clan. L'intelligence de la personne ne s'ouvre pas pour voir que ces choses sont mal. Tout ce qu'il voit c'est qu'il est bon. Parce que couverture spirituelle parce que la couverture spirituelle qui est là, et appartient à une telle divinité. Ça empêche les gens de pouvoir ouvrir leur intelligence. Quatrièmement, c'est pour endurcir les cœurs des hommes. Pour qu'ils n'acceptent pas l'évangile de Jésus-Christ. Pour être sauvés. Cinquième objectif. Je suis rapide. Quatrièmement. C'est pour endurcir le cœur des gens. Et les empêcher de croire en l'évangile de Jésus-Christ et être sauvés. Ça, c'est l'œuvre qu'ils sont en train de faire dans toute leur contrée. Cinq. C'est de dévier l'amour. L'amour que Dieu a mis dans l'homme pour son prochain. Alors c'est pour dévier cet amour vers le prochain, vers les animaux et les oiseaux et toute autre chose qui n'ont pas autant de valeur que la créature. Dans les créatures. Aujourd'hui, on a très sensible na nyama, na ndeke, ke na mutu.
tu vois que la personne est très sensible devant un animal par rapport à un homme. Alors, tu vois que les gens aujourd'hui se marient avec les animaux. C'est que l'amour pour son prochain a été dévié vers l'animal. Tu vois que pour qu'une personne, son oiseau meurt et il pleure. Mais quand quelqu'un meurt, lui ne pleure pas. Parce que c'est ça les objectifs de ces divinités. De détourner l'amour pour le prochain et le conduire vers les animaux. Tu vois que dans les pays développés, tu vois que quelqu'un n'a pas d'enfant, mais il a des chiens. Il en élève autant. Tu vois que notre frère Michael Jackson qui est mort, il avait autant d'animaux qu'il nourrissait et qu'il élevait. Et tu verras que dans certaines familles, il ne peut pas manquer d'animaux. Or, Dieu a dit qu'il faut manger les animaux. Alors, ils arrêtent de manger les animaux. Et ils commencent à nourrir leurs animaux Tu peux aller chez eux, tu vas renverser un animal, on peut t'arrêter. Parce que ces divinités-là ont détourné l'amour du prochain. Et pas une moto. Et l'on retourne vers les créatures. Quelqu'un peut quitter l'Europe pour venir jusque dans un parc pour élever des lions. Et ils investissent beaucoup d'argent dans ces choses. Mais c'est facile batinda en Afrique ko boma batu. Et c'est facile pour eux d'envoyer des armes en Afrique pour Mais ils viennent élever les animaux. Et ils font souffrir les hommes. Parce que bolingo wana. Parce que cet amour-là que Dieu a mis pour son prochain. Alors ba divinité ba dévié ngo ba tchango na kati na ba nyama. Les divinités les ont déviés vers les animaux. Ozomo na kutu baza ko sala. Et tu verras qu'on te dira que certaines maladies sont venues ici sur terre pour diminuer le nombre d'êtres humains. Ce sont des ondices. Ce sont des choses que les gens. Alors, ce mon prêt. Tu veux voir que les gens sont prêts à exterminer toute une population. Mais protéger un animal ou une toute autre création. Parce que le but de Satan, c'est qu'il n'y ait personne sur terre. Pour lui, il doit exterminer les hommes. Parce que son travail, son objectif, c'est de tuer. Alors quand tu vois ce que les gens font, ils peuvent nous envoyer des animaux ici en Afrique, des médicaments en Afrique pour tuer les hommes. Mais ils vont venir faire les tests en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens. On va envoyer ça en Afrique pour que les gens meurent. Regardez comment les gens meurent dans les océans. Les Africains qui essayent d'émigrer. Mais ils ne leur donnent pas de solution. Ils les prennent pour des animaux et les laissent. Pourquoi? Parce que bolingo. Parce que l'amour. Bolingo nzamba tchaki pona mutu moninga. Parce que l'amour que Dieu a mis pour le prochain. Divinité balongoli yango. Les divinités les ont détournées. Donc bato baza sur état d'âme. Les gens n'ont plus d'état d'âme. Bato bazo kufa kuna on s'en fout. Les gens peuvent mourir et ils s'en foutent. Lokola mboka na biso. Comme ici au Congo. Bato bakufi plus même de 15 millions. Il y a peut-être plus de 15 millions de personnes sont mortes. Nani azolo belango. Qui en parle? Mais nyama kufa kaka na poto kuna koyoka. Mais dès qu'il y a un animal qui meurt en Europe, tout le monde va en parler. Alors, mon salaire de divinité, basari ko sala. Le travail que les divinités sont en train de faire est de détourner l'amour. Amour du prochain. L'amour du prochain. Bible peut ezali koloba. La Bible dit. Est-ce que quand Jésus akoya? Est-ce que quand Jésus viendra? Est-ce qu'il trouvera l'amour sur terre? C'est que bolingo est aussi là. C'est qu'on trouvera, on ne trouve plus l'amour. Qui met fin à l'amour? Kanana Romains ezali koloba boy. Le livre de Romains dit ceci. Bolingo na nzambe. L'amour de Dieu.
et versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu, guerre munene ba divinité bazanango, la grande guerre que les divinités ont, et de mettre fin à l'amour. Tu vois quelqu'un tuer son prochain sans problème. Pourquoi? Parce que musala ya Satan, parce que l'œuvre de Satan est de dégorger, de tuer, détruire et de dérober. Et on voit qu'on a légalisé l'avortement. C'est plus un problème. On a légalisé le meurtre. Derrière, derrière tout cela, c'est Satan. C'est Satan. Les divinités. Ils ont besoin de sang. Ce n'est pas un problème. Les gens peuvent avorter autant qu'ils veulent. Pourquoi cela? Parce que bolingo ya mutu eza susu. Parce que l'amour du prochain n'est plus là. Lenge Satan azali ko kende ko sala musala na ye. Ce sont des voies que Satan utilise pour faire son œuvre. Alors, ndeko moko atindeli ngai image moko ko uta na Gabon. Quelqu'un du Gabon, un frère du Gabon m'a envoyé une image. Pona ba rite ya ba divinité mususu. Par rapport au rite de certaines divinités. Ils leur font des sacrifices de personnes vivantes. Ce n'est pas des choses du siècle passé. Ça se passe aujourd'hui. On découpe les êtres humains, on les offre en sacrifice. Chez eux, c'est pas un problème. Tout le monde a une déesse ou une divinité. J'étais là, j'ai vu ces choses. Mais ce frère m'a envoyé cette vidéo aujourd'hui le matin. Je l'ai regardé. Comment découper des êtres pour offrir bangona divinité, pour les offrir en sacrifice aux divinités. Et tous ces rites se font du côté des eaux. Parce que chez eux, l'océan est tout près de la ville. Et ils ont beaucoup de cours d'eau chez eux. Et dans ces rites-là, tu verras qu'on a sacrifié la tête d'une personne à une certaine divinité. Alors tu vois que ces divinités font en sorte de mettre fin à l'amour. Alors, tant que tu es en église, et quand tu viens à l'église, mais tu sali ko uta na ba ligné oyo ba divinité wana ezali. Nous venons de sortons des lignées dans où si à cette divinité. Osomo na bolingo pe aussi la église. Et nous voyons que l'amour aussi est fini à l'église. Quelqu'un regarde son prochain comme un animal. Aza prêt à le détruire. Il est prêt à le détruire. Alors bato nyonso bazali bongo. Alors toutes les personnes qui sont mais comme ça. Mais kana na mukongo na ye. Je vais regarder derrière. Je vais suivre sa lignée. Tu verras qu'il sort de cette divinité. Ils n'ont pas la capacité d'aimer leur prochain sincèrement. C'est leur amour est faux. Leur amour est hypocrite. Et tu vois même que dans le mariage, cela s'instaure aussi. Les gens se marient, mais ils sont dans le faux. Ils n'ont pas le vrai amour. Pourquoi c'est à cause de ces divinités? C'est pour ça que les gens échouent. Alors, sixième. Le sixième objectif. Objectif na bango ezali ko, c'est de déshabiller l'homme. Ko dongola mutu bilamba. C'est déshabiller l'homme. Quand Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, l'homme avait déjà péché. Mais avant que Dieu le chasse, Asalini. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait des habits. Parce que la nudité de l'homme est sacrée. Dieu ne voulait pas que les anges le voient. Alors maintenant, ces divinités, comme ce sont des divinités féminines, ils doivent maintenant déshabiller l'homme. C'est comme ça qu'aujourd'hui tu vois qu'il y a des nudistes, des gens qui aiment circuler nus. Ils sont entre en papa, maman et les enfants et tous sont nus. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est facile de publier sa nudité sur internet. Quelqu'un se filme à la maison et il publie. Esprit, quel est l'esprit qui le dit? C'est seulement pour révéler leur manière d'être. Objectif ya Satan yango wana. C'est ça l'objectif de Satan. Il faut c'est que l'homme reste nu. Mwandamu ya gloire wana nzamba latisaki ye. La gloire que Dieu dont Dieu l'a donné. Laissez-le en dépouiller. Mais bato bazo comprendre te. Mais les gens ne comprennent pas. Bato bazo mona au nom ya mode na style.
Et les gens pensent que c'est au nom de la mode et du style. Mais mode ko le kaliloba na nzambe. Mais la mode n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Ne bandeli nzamba latisi mobali na mwasi bilamba. Au commencement Dieu a revêtu l'homme et la femme de vêtements. Mais mokilo tozo kende na yango. Mais dans le monde dans lequel nous vivons. Plus que tozo pousse na liboso. Plus on avance. Plus que Satan zo kende ko se révéler. Plus Satan se révèle. Plus que ma divinité bazo kende ko se révéler. Plus les divinités se révèlent. Parce que tant na bango eza mukuse. Parce que leur temps est court. Alors biloko ezo kota kati na bato. Alors ces choses entrent dans les hommes. Alors eza siko yo bato ba yeli biso ba nzambe na bango. Alors ces gens nous ont amené des divinités leur. Même biso ba itozali ko sambela. Même nous qui prions. Bazali ko imposer biso loi na bango na kati l'église. Ils nous imposent leur loi dans l'église. Ko bango nde bazo tonga bilamba. Parce que c'est eux qui confectionnent les vêtements, ils nous envoient. Bango nde bazo sala nyonso. C'est eux qui font tout. Mais ils peuvent aussi porter notre paille. Au nom de Dieu, nous pouvons porter le paille. Tu n'es pas obligé de rester nu comme eux. Eux, on les a déjà détruits. Alors Dieu maintenant a encore l'Afrique. J'étais au Canada. J'ai prêché dans une église où il n'y avait que des blancs. Les noirs qui sont arrivés là-bas sont venus par nous. Ce blanc-là m'a écouté, je parlais de l'évangélisation. Parce que là, on a fermé toutes les portes, on ne peut pas prêcher l'évangile. Mais j'ai eu mal, parce que quand tu parles de quelqu'un de l'évangile, on peut t'arrêter. Il faut d'abord vous devez d'abord vous convenir. Ce qu'on a tenu l'église, on a quand même révolutionné pour évangéliser. Alors j'ai prêché dans cette église pour les révolutionner pour qu'ils puissent évangéliser. Le chef de l'église, le conducteur de l'église a dit. Il dit que dans les premiers temps, c'est nous qui avons amené l'évangile en Afrique. Mais nous avons fermé les portes à Dieu. Nous avons chassé Dieu de nos maisons. Nous avons chassé Dieu de nos institutions. Maintenant, Dieu est en Afrique. Maintenant, il faut que les Africains viennent nous prêcher pour que nous nous convertissions. Amen. Amen. Aza pasteur mukolo tata mukolo ya kala. C'est un pasteur, il est vieux. Alobi na ndenge munde kwatei awa. Il dit comme notre frère a prêché. Chiko ba africain de faut baya kotei ya biso. Maintenant il faut que les africains viennent nous. Baya ba missionnaire. Qui viennent en missionnaire. Pour biso to memela ke bango évangile. Parce que nous leur avons apporté l'évangile. Évangile etikale pa na bango. L'évangile est reçu. Biso to bengani nzambe. Et nous avons chassé. Il faut bango chiko baya ko évangéliser biso pe. Maintenant il faut que eux aussi viennent nous évangéliser. Alors zo mona nyonso ezali kolo ya nini. Tout cela c'est dû à quoi? Likolo ya banzambe wana bengami ba deso bazali ko djé. Gérer l'entité. À cause de ces divinités-là qui sont appelées des déesses, qui sont en train de qui contrôlent les entités. Amen. Amen. Alors, tout en 2 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 4. Chapitre 4, au verset 4, nous lisons dans Jésus. Pour les évangiles, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Tangango les soussous. Lisez encore. Bandine au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, nzambe ya siècle oyo, le Dieu de ce siècle, ezali Satan. C'est Satan. Naba divinité wana nyonso. Et dans toutes ces divinités. Alors musala na bango ndenge tokuchukola kisa awo. Alors leurs œuvres c'est ce que. Et ça ne faut pas quoi aveugler bad. C'est pour aveugler les gens. Ozo mona muto azo sambela bikeko. Tu vois quelqu'un en train de prier une idole. O lakise noir blanc. Tu lui montres noir sur blanc. Que oyo boye ezabikeko. Ce sont des idoles, des idoles. Bible est boyi yango. La Bible est contre ces choses. Mais muto azo discuter na yo. Mais cette personne discute avec toi. Azo ntimate. Il ne croit pas. Ponani ne parce que ba divinité wana. C'est parce que ces divinités. Bazo servir bango na couverture spirituelle. Leur sert de couverture spirituelle. Baveugler bango. Il les a aveuglés. Et ils ne peuvent pas voir. Muto azo sambela nzambe ya muto.
quelqu'un qui prie le Dieu d'une personne. Tu le montres ce qui est écrit. Mais il discute avec toi. Défendre. Et il défend. Est-ce que Moutoua est normal? Est-ce que cette personne est normale? Est-ce que Moutoua est intelligent? Est-ce que cette personne est intelligente? Même s'il a fait de grandes études. Mais tu le vois en train de défendre l'icolo cette personne. À cause. L'icolo y a ma divinité. Des divinités. Tu même dans quatre églises. Tu vois même des gens dans l'église. Soit disant bazo sambe lanzambe na lola. Ils se disent qu'ils prient le Dieu même du ciel. Même kambu bazo sala. Mais les choses qu'ils font. Ils ont sale manakati ne tonga na bango. Ils se font dans leurs églises. Les gens bazo aveuglés. C'est comme s'ils sont aveuglés. On dirait bazo mona bazo monate. S'il voit sans voir. L'icolo yanine. Pourquoi? L'icolo yaba divinité. À cause des divinités. Parce que zana musala munene. Parce qu'il y a un grand travail. Molile ezo kende ko couvrir mokili. Les ténèbres couvrent vent et couvrent. Molile ezo kende ko couvrir pe ba biyamba ebele. Les ténèbres sont en train de couvrir plusieurs religions. Mais ba Christo bazo monate. Mais les chrétiens ne voient pas. Ma pasteur bazo monate. Pasteur ne voit Molile pas. Ezo kende ko couvrir ma bote ebele. Les ténèbres sont en train de couvrir plusieurs familles. Ba kende ko normaliser ma kambu mususu. Les gens sont en train de normaliser certaines mais choses. Mais biloko wana euti na nzambe te. Mais ces choses ne viennent pas de et Dieu. Euti na banzambe ya mike mike. Cela provient des divinités. Mais ezo kende ko kota na kati na etonga. Mais cela vient entre dans l'église. Parce que uti na mabota. Parce que cela vient des familles. Ozo mona okena ndako na nzambe ba tandi bike ko boye. Tu vas dans une église, on a établi ba salipe ke ko ya munene bato ba kenda ko et une grande devant laquelle les gens se prosternent. Et ils te disent qu'on se prosterne. Nous prions et ils te disent qu'ils prient le Dieu qui est derrière. Tu sais qu'il y a plusieurs divinités sur dans ce monde. Il y a une femme qui apparaît là-bas, on donne le accès dans le combat. C'est quel pays? Hein? Lourdes, ah, moi si mon quoi bimaka kuna bato bakenda ka pèlerinage. Il y a une femme qui apparaît à Lourdes et les gens vont en pèlerinage. Kuna na mboka na Mexique. Et là au Mexique. Oyo batonga temple à monnaie na lekati kuna. On a construit un grand temple, je suis allé le voir. Na capitale na bango. Dans leur capitale. Moi si mon quoi bimaka kuna. Il y a une dame qui apparaît. Aloba makambu. Qui a dit des choses. Akutana na papa moko boazala ko kata bilanga. Elle a apparu à un homme qui faisait. Alors moi si wana bapese kombo Marie. Et cette dame on lui a donné le nom de Marie. Il faut tala ndenge bato bakenda ka Mexique. Comment les gens vont au Mexique pour qu'adorer là où cette femme là apparaît. Il faudrait savoir que dans ces temps et autant que nous sommes en train de faire la fin des temps, Satan se révèle comme femme. Je ne parle pas des femmes qui sont Satan se révèle comme une déesse. Satan se révèle comme une déesse. Il a commencé à se révéler depuis Kala. Il a commencé à se révéler il y a longtemps. Au sud qui vous avez la moisi moko aza ko bima iza wa pelisus. Au sud qui vous y avait une dame qui apparaissait, c'était où? Hein? Wapi? Na Rwanda. Moisi voilà, merci maman. Na Rwanda. Au Rwanda. Moi, si mon cousin allait au Bimakuna. Il y avait une dame qui apparaissait. Balobi aza Marie. On disait que c'était Marie. Apparition na yeza partout na kati na mokili. Elle apparaît partout dans le monde. Na ba continent nyonso. Dans tous les continents. Pe na kati na ba coin nyonso. Et dans tous les coins. Awa na Kinshasa tozalaki na nzete kauka. À Kinshasa on avait nzete kauka. Moi, si mon cousin allait au Bimakuna. Il y avait une dame qui apparaissait. Nzete kauka ezala kote nini? C'était où? Hein? Mokali. Et si là toi ezala kaka? Ça va, il y en a toujours. Les gens vont jusqu'aujourd'hui. Alors on voit l'apparition de la divinité. Alors on voit l'apparition des divinités. Mais à ta bateau, ils sont que l'île. Et ces gens, même si tu leur montres que la parole de Dieu dit ceci, ils ne croient pas. Ils iront toujours. Il y a quelqu'un qui apparaît qui avait les plaies de Jésus. Italien, et cet Italien a circulé dans tout le monde. On a organisé des messes en son nom. Ça, c'était une divinité masculine. Parce que cette déesse-là, il y a une divinité féminine. Bapese kombo Marie. Qu'on appelle Marie qui apparaît. Et il y a aussi une divinité masculine qui apparaît avec les plaies qui sont maintenant. Jésus apparaît avec ses plaies. Est-ce que Jésus a encore ses plaies sur les alors les mains. Alors à ces gens, tu leur montres noir sur blanc. Et ils n'y croient toujours pas. Tu vois des gens mettre dans leur maison et ils mettent une statue. Est-ce que la personne qui a fait tourner le film de Jésus, c'est un Anglais qui boit et qui fume.
C'est comme ça, il y a un gadiadia. C'est un acteur à film, Mbappé, c'est un rôle à jouer. C'est un acteur à qui on a donné un rôle. Mais t'as là, bah, photo, on est pensé dans l'église. Mais regarde toutes ces photos, comment elles sont bah, dans l'église. Même dans la montre. On les met même dans les montres. Bah, bah, tchango, na katse, na bandap. Les gens les placent dans leur maison. Photo à Yesu. La photo de Jésus. Il y en a même qui rêvent de Jésus. J'ai rêvé de Jésus. Je te dis non, le même Jésus qui est dans le film, je l'ai rêvé de lui aujourd'hui. Et ça, le lengue, bah, ça, lui, pendant qu'on compte sa bateau, qu'on semble la divinité, oh. C'est ce qu'ils ont fait pour pousser les hommes à prier. Mais bah, tout bah, besoin défendre. Mais les gens se défendent. Et ça, bilo, quoi, yébani. Ce sont des choses connues. Pourquoi? Parce que Satan, lui, quoi, aveugler bateau. Parce que Satan veut aveugler les hommes. Moutou, moko, t'as tikala, qu'on kangaye sous photo. Personne n'a fait de photo à Jésus. Âge, il y a photographie. T'as tangi, quand même, bandit, tangoni. On a vu l'âge de la photographie, ça a commencé il n'y a pas longtemps. Mais, et ça, tangona, yesu, t'es. Mais c'est pas autant de Jésus. Mais si on a un kangaye sous photo. Maintenant, qui a pris Jésus en alors, photo? Alors, zoom, on a ndengeni, ni bateau, bah, côté si, bah, ba, 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 divinité na mitu ya bato. Alors tu vois comment les gens ont introduit les divinités dans la tête des gens. Na ba classe, ba kote si yango. Dans les études, on les a introduits. Na ndenga biso tozokola na yebaka ke Yesu wana film nde Yesu penza kufela kinga na ikulusu. Quand nous on grandissait, je savais que c'était le Jésus du film là qui était mort pour moi à la croix. Ceux qui ba tche film on muni bato baza na émotion. Oh ba beti. Et tu mets le film, tu vois les gens qui sont émus. Musuzo kola la tête penza. Il y en a qui n'arrivent même plus à dormir. Le lona mundenga ba nyokola ki Jésus. Non, j'ai vu comment on a fait souffrir Jésus. Et image. C'est comme c'est une manière d'impacter les hommes par l'image. Pour que ça reste dans les dans alors, la tête. Alors, divinité oyo. Alors ces divinités là. Chaque coin baza na nzambe na bango. Chaque coin a une divinité. Awa na Congo toloba toloba te banzambe baze ebele. Et même au Congo ici il y a plusieurs divinités. Kuna na Asie toloba te. En Asie non parlons pas. En Amérique toloba te. En Amérique non parlons pas. En Europe toloba te. Même en Europe. Batu na batu baza na banzambe na bango. Tous les peuples ont une divinité. Nde tumba voilà le combat que nous avons dans le temps de la paix. C'est le combat des divinités. Amen. Amen. Parce que tumba ya milimo. Parce que le combat des esprits. Milimo est égal ici. Les esprits sont encore derrière. Tumba ya banzambe. Maintenant c'est le combat des divinités. Alors ce que sengeli okokana ko comprendre makambo. Maintenant tu dois comprendre ces choses. Pourtant yo zo sambela. Parce que quand tu pries. Oye bozo sambela biloko nini. Tu dois savoir ce que tu parce pries. Parce que oko sambela te nzambe na lola. Tu ne peux pas prier le Dieu du ciel. Ozana influence ya ba divinité. Sous l'influence des divinités. Oko sambela te nzambe ya lola. Tu peux pas prier le Dieu du ciel. Non, mon lato ya ba divinité. Avec la piment des divinités. Oko sambela te nzambe na lola. Tu peux pas prier le Dieu du ciel. Aye pa ino motema na yo. Et qu'il vient dans ton cœur. Motema no ese pa na nzambe te. Ton cœur n'est pas vers lui. Alors toye na kati na église. Nous venons ici à l'église. Ba comportement o to sali na yango. Le comportement que nous affichons. Et ça ba comportement toye uti na ngo kuna. C'est le comportement avec lequel et sengele na to banda ko boya. Nous devons commencer à y renoncer. Et sengele na to renoncer na yango. Nous devons y renoncer. To renoncer na ba esprit. Nous devons renoncer aux esprits. Il faut te renoncer ce qu'on a ba divinité. Nous devons renoncer aux divinités. Divinité tant wazali koya na kati na contrée. Quand une divinité vient dans une contrée. Azali koya ko influencer caractère ya bato. Il vient influencer le caractère des azali gens. Azali ko imposer bango style de vie. Il leur impose un style de vie. Ba ko kana ko bika modèle wana. Pour qu'ils vivent d'une certaine pour manière. Ko bazana sena bo umbu na ye. Parce qu'ils sont sous entre esclavage. Yende nzambe na bango. C'est lui leur Dieu. Atata ngu nzamba se manifester na Israël. Quand Dieu s'est manifesté en Israël. A imposer bango pe caractère. Il leur impose un caractère. Mais est-ce que mutuna na zo tuna yo? Maintenant je te pose une question. Bizalelo yo za nango wa. Le caractère que toi tu as. Eza bizalelité divinité ya tata na yo na mama no ba imposa ki na ligne paternelle na maternelle na yo. Est-ce que c'est pas le caractère que tu as de la divinité de la lignée paternelle ou le lengo yo zo bika wana. La manière dont tu vis. Le lengo yo miyo kaka wana. La manière dont tu te sens. Eza le lengo ya ba divinité te. Est-ce que c'est pas la manière dont des divinités. Oyo bazoko sala musala na kati na yo. Qui agissent en toi. Alo esengeli toko kana ko boya biloko. Nous devons renoncer à ces choses. Poete toko kana komona gloire na nzamba. Voir la gloire de Dieu. Nzamba koko manifester gloire na yete. Dieu ne peut pas manifester sa gloire. Ya makasi puissamment. Poete batoba ya kobwa kangote. Pour que les gens ne puissent pas la rejeter. Esengeli biso nde toyeba na kondimela nzambe na bosolo. Faudrait que nous croyions en Dieu en vérité. Alors ba divinité oyo. Alors ces divinités. Bango solo solo basali musala na bango. Ils ont vraiment fait leur travail. Ba aveuglé batu. Et elles ont aveuglé les batu hommes. Balingi nzambe. Les gens aiment Dieu. Mais balingi pe ba divinité. Mais ils aiment aussi les divinités. Oyebi ezali na batu lelo kati na église. Dans l'église il y a des gens aujourd'hui. Bazo sala na puissance mibale. Qui agissent avec deux puissances. Ya bonzambe. De Dieu. Na ya ba divinité. Et celle des divinités. Et ça, où ma divinité il y a des moments où les divinités agissent. Où Nzambe pas quoi et il y a un moment où Dieu va agir. Et ça, confusion na kati na musala na Nzambe. C'est la confusion dans le service de Dieu. Ozo mona mutu lokola
Simon le magicien. Tu vois quelqu'un comme Simon le magicien? Abongoli motema yambi Yesu. Il s'est converti et il accepte Jésus. Lokola mokonzi pe mobikisi. Comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, si tango ya comme un exercice. Alors quand lui il commence à exercer, amoni ke nguya na nzambe zo pesamela na nzela kaka na imposition des mains. Il se rend compte que la puissance de Dieu se transmet par l'imposition des mains. Alobini. Qu'est-ce qu'il dit? Alobini abantoma. Il dit aux apôtres, na pesa bino mbongo, que je vous donne de l'argent. Bo pesanga pe nguya wana. Et que vous donniez aussi cette puissance. Pour être mutu nyonso nga na kotshela maboko. Pour que toute personne à qui j'imposerai les mains, il y ait pas une manifestation. Que lui aussi reçoive la manifestation. Ndenge ya mesana kazo bikisa bato na mbongo. Comme lui il guérissait les gens à prix d'argent. Bato nyonso bazo ya epana lokola nganga kisi, il faut ba pesa mbongo. Toutes les personnes qui venaient vers lui devaient lui donner de l'argent. Amemia ngo siko katia na bonzambe. Maintenant il emmène cela dans le Seigneur. Alinga salela ngo katia na bonzambe. Il veut l'utiliser dans le Seigneur. Pierre a répondre ye. Pierre lui répond. Alobi ozana parte na katia na likambo. Il lui dit, tu n'as pas part dans cette histoire. Nayo na mbongo na yo. Toi et ton argent. Ozana na katia na balien. Vous êtes encore sous les liens. Mais ça bongola ki motema. Mais il s'était déjà converti. Atiki bakisi. Il avait arrêté le kefetish. Abwa ki biloko physique. Il a rejeté tout ce qui mais était mais divinité ou asala ki nango alliance bazalaka na nokati na. Mais les divinités avec qui il avait fait des alliances étaient encore en lui. Bazolo kabal le kananzela na yepo bakoka na ko détruire. Il voulait passer, elle voulait passer par lui pour détruire. Ba détruire pe musala na nzamba. Et détruire le service de Dieu. Mettez là Jésus-Christ sur ma boko makasi. Acclame le Seigneur Jésus. Matea o yozo senga réflexion. Cette prédication demande une réflexion. Yozo senga o sentiment. Ça demande que tu n'utilises pas tes sentiments. Tu te sépares de tes sentiments. Que tu observes ta lignée paternelle. Que tu observes ta lignée maternelle. Que tu observes ta lignée maternelle. Tout ce qui découle des pouvoirs des déesses. Le comportement que vous avez. C'est une imposition de ces déesses. Aujourd'hui tu es dans le Seigneur. Est-ce que tu ne peux pas t'aligner un peu? Pour que tu puisses t'aligner. Et que tu renonces à ces commandements. Parce que ce sont les déesses qui sont venues avec. Que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Pour que tu vois sa grandeur. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Tenons-nous debout pour prier. Tu vas élever tes mains. Tu vas demander au Saint-Esprit d'ouvrir ton esprit. Pour que tu comprennes. Comment ces divinités ont agi dans ta lignée maternelle et paternelle. Et comment elles se manifestent sur toi. Elles se manifestent sur toi. Elles t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Quel est le comportement que tu as hérité de ces divinités? Que Dieu ouvre ton esprit et que tu comprennes. Est-ce que c'est une divinité masculine ou féminine? Que Dieu te donne la révélation. Pour que tu saches comment combattre et vaincre. Bondela, 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 bondela. Senga Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit qu'il t'ouvre ton esprit. Na kombo Jesus Christo. Au nom de Jésus Christ. Molimo mo santo. Saint-Esprit. Okukana ko fongo l'esprit. Ouvre mon esprit. Pona ko comprendre. Pour comprendre. Makambo nyonso. Toutes ces choses. Pona eva na kobunda. Que je combatte. Pona kolonga. Pour vaincre. Na kombo na Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Molimo mo santo asunga. Le Saint-Esprit aide. Bo etena ko kana ko kabwana. Pour que je me sépare de toutes ces choses qui ont marché avec moi pendant mon temps. Toutes ces choses qui se sont cachées. Bokonjo ye wuti na Satana. Ce pouvoir qui vient de Satan. Bokonjo ye wuti na ba déesse. Ce règne qui vient de déesse. Bokonjo ye wuti na ba divinité. C'est ce pouvoir qui vient des divinités. Ouvre mon esprit. Pour que je m'en sépare. Pendant longtemps, je ne réussissais pas. Parce qu'ils ont imposé des lois. Ils ont mis des limites. Aujourd'hui, je veux réussir. Et que je m'en sépare. Que tu me révèles ces choses au nom de Jésus. Pour que je sache comment me comporter. Pour que je sache comment combattre. Au nom de Jésus Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Ba divinité bazali ba représentant ya diable
Les divinités sont des représentants du diable dans toutes les entités. Ce sont les représentants directs du diable. Ce sont comme des idoles. Bien-aimé, tu vas prier comme ceci. Que Dieu ouvre ton cœur. Incrédulité nyonso. Que toute incrédulité. Divinité va imposer la lignée paternelle et maternelle. Que les divinités ont imposé dans ta lignée maternelle et paternelle. Que Dieu ouvre ton cœur. Bolingo nyonso balongola. Que tout tabou qui a été détourné. Regarde dans ta famille comment les gens se trouvent. Il n'y a pas d'amour. Regarde même dans ton mariage, il n'y a pas d'amour. Une femme, tu n'arrives pas à aimer ton mari. Marie, tu n'arrives pas à aimer ta femme. Vous n'arrivez même pas à aimer vos enfants. Divinité balongola. Tout l'amour que les divinités ont détourné. Dans vos cœurs. Que Dieu agisse. Dans cette session. Et que Dieu se manifeste. Que ton intelligence s'ouvre. Que ton cœur s'ouvre. Que cette incrédulité tombe. Que ça t'empêche de croire en la parole de Dieu. Et que tu puisses voir le miracle. Bondela, bondela, bondela. Bondela. Saint-Esprit est capable de changer nous sur quatre naïos. Le Saint-Esprit est capable de tout changer en toi. Mets tes mains, élève tes mains et les prie. Influence nous sur la divinité. Toute l'influence est divinité. Dans mon thème, dans ton cœur. Pour détourner l'amour. Tu as une incrédulité. Demande la plaie du Saint-Esprit. Oh, mon Dieu, mon Saint-Esprit. Oh, mon Dieu, mon Saint-Esprit. Oh, mon Dieu, mon Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu y réside. Oh, mon Dieu, mon Saint-Esprit. Ouvre mon cœur. Incrédulité couée. Que l'incrédulité tombe. Je crois en ta parole. Que j'accepte de me donner à ta parole. Pour que je vois le miracle. Incrédulité, non, de toute incrédulité. Et que aveuglement non so spirituel. Tout aveuglement spirituel. Il y a des gens depuis qu'ils sont venus dans le Seigneur, on le même voit. Même dans même dans vision. Ils ne voient rien, même en rêve ou en même vision. En esprit, même dans moto boya mona kate. Même en esprit ou physiquement, ils ne voient aveuglement rien. Total. L'aveuglement total. Alors aveuglement wana. Alors que cet aveuglement. Et ba divinité. Qui vient des divinités. Qui aveugle au monde la gloire n'ensemble te. T'empêche de voir la gloire de Dieu. Vie comme on a gloire n'ensemble te. Dans ta vie, tu ne peux pas voir la gloire. Misère na misère. Que la misère. Parce que tu es leur esclave. Aveuglement en Ekweya. Que cet aveuglement tombe. Ekweya. Qu'il tombe. Pour que tu vois la gloire de Dieu. Que tu vois la gloire de Dieu. Parce que personne n'a vu la gloire de Dieu et ne peut pas voir. Il faut esprit na yefongwa maomona. Que ton esprit s'ouvre et que tu vois. Il faut ma kanisune fongwa maomona. Que ton intelligence s'ouvre et que tu vois. Il faut penser na yefongwa maomona. Que tes pensées s'ouvrent et que faut tu vois. Il faut na yefongwa maomona. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Et ça la yanzo to avec le man et Kweya. Bondela, 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 bondela. Avec le man, nous sommes Kweya. Kweya, Kweya. Kweya, Kweya. Nakokana comment la gloire dans sa vie. Tout ce qui m'empêche à comment la gloire ensemble. Tout ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu. Oye outil dans ma divinité. Il provient des divinités. La lignée paternelle. De ma lignée maternelle. La lignée maternelle. De ma lignée maternelle. Et ça quoi empêche en amour en qu'un bon ensemble. M'empêche de voir la gloire de Dieu. Et quoi aller non. Qui tombe aujourd'hui. Et quoi. Que cela tombe. Influence non sur ma divinité. L'influence des divinités. Et pas ina ina outa. Que. Et quoi. Que cela tombe. Que cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe. Avec le magnon sort. Que tout aveuglement. Que cela tombe. Que cela tombe. Que cela tombe. Que cela tombe. Avec le magnon. Que l'aveuglement tombe. Que mes yeux s'ouvrent. Que je vois la gloire de Dieu. Que je vois
foi à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que cela tombe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Surdité nyonso yo bakangi yo matoyi na yo. Toute surdité. Boyo kate. Qui t'empêche d'entendre. Ozoyo kame ozo comprendre te. Tu entends mais tu n'écoutes pas. Nyonso ane kweya. Que tout cela tombe. Posoko yoki. Parce que quand tu entends. Pour comprendre. Et que tu dois comprendre. Lo baboye. On a prêché la parole. Oyoki pour comprendre ya. Tu as écouté et tu as compris. Oyoki lo banansambe pour comprendre ya. Tu as entendu et tu as compris la parole de Dieu. Aye bana ko faire comprendre. Que le Saint-Esprit te fasse comprendre. Ozo tanga lo banansambe ozo comprendre te. Tu lis la parole de Dieu et tu ne comprends pas. Omoni lo ko le nuque éthiopien. Tu vois comme le nuque éthiopien. Awuchi ko sambela. Qui venait de prier. Azo tanga azo comprendre te. Il lisait mais il ne comprenait rien. Bongana te ya bino biloko yo. Pourquoi je vous presse ces choses? Parce que nzamba fongoli ngana comprendre ya. Parce que Dieu m'a permis de comprendre. Il faut ce qu'on nous soit na bakanga matoi na yo. Maintenant que à tous les moments pour comprendre te. Pour que tu ne comprennes pas. Pour qu'on discute. Pour que tu continues de discuter. Pour qu'on bundana. Pour que tu continues de te battre. Mais tu es déjà dans le Seigneur. Alors tu es déjà dans le Seigneur. Mais le kweya matoi ne fongwa ma. Cela tombe que des oreilles se débouchent. Que tu commences à entendre. Que comprendre. Et que tu commences à comprendre. Bonera bonera bonera. Saint-Esprit à salle. Que le Saint-Esprit agisse. Que mes oreilles s'ouvrent. Que j'entende et que je comprenne. La parole de Dieu. Que je la lise. La comprendre. Que je la comprenne. Dans la connecter. La comprendre. Que j'entende, que j'emprenne. Au nom de Jésus-Christ. Que je comprenne. Que je comprenne. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Au nom de Jésus. Couverture non spirituelle. Toute couverture spirituelle. Il y a ma divinité. Des divinités. Où ils allaient qu'au tambola na yo lokola lipata pour qu'on identifie partout aux okota. Qui marche avec toi et qui pour t'identifier partout où tu entres. Tu ne l'envoies pas Ezika. Que l'envoie le feu et que cela brûle. Ezika. Consume-le par le feu. Parce que baso identifie facilement. Parce qu'on peut facilement t'identifier. Tu as allé moi na Kingani. On sait que c'est l'enfant de tel. Où t'as côté kuna. Tu viens de tel endroit. Ya kweza kwa faiblir yo. Cela t'a faibli. Même dans le Seigneur, tu as faibli. Même dans le Seigneur, tu as faibli. La combo na Yesu. Au nom de Jésus. Tu l'as ngomoto. Envoie le feu. Ouverture wa neza lokola manza za bo Ezika. Que cette ouverture qui est comme un tonne d'étoile sur toi, que cela brûle. Au sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ouverture non sur la divinité. Toute couverture des divinités. Contrôle non sur la divinité. Ouverture des divinités. Oh, tu es qui s'est tombé. Sont consumés. Oh, tu es qui s'est tombé. Que cela soit consumé. Oh, tu es qui s'est tombé. Que le feu consume et brûle. Ouverture à l'Ezika. Que cette ouverture brûle. Ezika la combat à Jésus. Elle soit consumée au nom de Jésus. Ezika, 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 Ezika. Que cela soit consumé. Ezika. Que cela soit consumé. Ezika. Que cela soit consumé. Ba intimidation nyonso. Toute intimidation. Ba kobanga nyonso. Toute frayeur. Lokolo zo yo kaboye, ezo peso kobanga. Quand tu écoutes, tu as peur. Oyebini ne zo banga. Tu sais qu'est-ce que de quoi divinité tu as peur? Wana katina. C'est la divinité en toi qui a peur. Azo chayo ba intimidation. Elle t'intimide. Azo bangisa yo. Elle te fait peur. Azo pesa yo somo. Elle te donne la frousse. Pour continuer de découvrir. Pour que tu ne continues pas de découvrir. Obanga nyonso kweya. Que toute peur tombe. Ba intimidation ne kweya. Que toute intimidation tombe. Oza la déterminer. Que tu sois déterminé. Yako kende kino suka. D'aller jusqu'à la fin. Ba peur moko bleu zo yela yo. Que toutes les peurs bleues que tu as. Oza na somo somo ya pamba. Tu es effrayé par toute chose. On continue de te faire peur. Tu es en train de prier, tu as peur. Même prier avec les gens, tu as peur. Que toute cette frayeur. Tu es venu voir Dieu. Tu es venu prier pour voir Dieu. Dieu se manifeste, toi tu as peur. Alors c'est là que les divinités interviennent. Elles créent une interférence. Pour être yokutana na que tu ne rencontres pas Dieu. Que toute cette frayeur tombe.
Parce que liboso na nzambe mutu akozala na somo te. Parce que devant Dieu on n'a pas peur. Nzambe za tata na biso. Dieu est notre père. Nzambe soka se manifesta zo ya pona ko bomate. Quand Dieu se manifeste, ce n'est pas pour tuer. La grâce est là. La grâce est il là. Il faut zala na kondima. Tu dois avoir la foi. Soka zande demo ekobima mobima bo ebima omona yango. Si c'est un démon qui doit sortir, qu'il sorte et que tu le vois. Bonjour mon amour, bonsoir à tous, sambe la mukebo. Tu vois quelqu'un qui prie. Et il entre en transe et commence à observer. Il commence à sentir son ventre bouger et commence à observer. Et il sent son œil bouger et commence à regarder partout. Il a peur. Maintenant tu as peur de quoi? Tu es venu présence dans la présence de Dieu. Si tu dois tomber que cet esprit parte, si tu dois sortir en chair et en os qui sort et que tu le vois, alors fais tomber cette peur là. Allez. Que toute la peur tombe. Attitude nous se créer la divinité. Voilà pour empêcher n'aille qu'au bout d'un ensemble. Et quoi? Elle tombe au nom de Jésus. Attitude nous. Toute attitude. Créer la divinité. Derrière les divinités. Voilà pour empêcher n'aille qu'au bout d'un ensemble. Qui empêche de voir. Et quoi? Cela tombe. Et tombe au nom de Jésus. 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 Alors, au commande la pointe à influence, nous se dit. Il y a ma divinité. Tu as prié maintenant pour contre toute influence des divinités. Vous influencez ma émotion na yo. Qui influence tes émotions. Vous influencez corps na yo. Qui influence ton corps. Ils ont influencé esprit na yo. Qui influence ton esprit. Et ça lui quoi empêcher yo kuta na nzambe. Qui t'empêche de rencontrer Dieu. Ils ont tchaba barrières tout autour na yo. Qui place des barrières tout autour de toi. Pour yo kuta na nzambe te. Qui t'empêche de rencontrer Dieu. Que ndeko démolir yango. Démolis-les. Parce que yo faut kuta na nzambe. Parce que tu dois rencontrer Dieu. Na saison yo faut kuta na nzambe. Cette saison tu dois rencontrer Dieu. Alors nyoso wani faut longola yango. Alors il faut ôter toutes ces choses. Biloko nyoso bazome mana vie na yo. Toutes ces choses qu'on emmène dans ta vie. Longola yango. Ôte-les. Influence na bango nyoso. Que toute leur influence. Esprit na yo échappé. Que ton esprit Je brise toute influence de mon corps, mon âme, mon esprit. Je les détruis. Vous allez bloquer l'esprit. Bloque mon esprit. Pour avancer. Qui m'empêche d'avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et Tchelinga Mindolo. Tout ce qui m'a mis les limites. Qui m'empêche d'avancer. Je les renverse. Je brise toutes les barrières. Je les démolis. Ma barrière, Nios. Nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ba limitation nyo so ba tiana ba esprit na bino. Toute limitation qu'on a placée dans vos esprits. Ba tiana ba na esprit ya ba Congo nyo so ke oyo bango ba ko sala te. On a placé ces limitations dans les esprits des ba Congo qui ne peuvent pas faire. Ba tiana esprit nyo so ya ba luba ke oyo ba luba ba ko sala te. On a placé dans les esprits des ba luba qui ne peuvent pas faire. Ba tiana esprit ya bangala ke oyo bangala ba ko sala te. On les a placés dans les bangala et les bangala. Oyo ba swahili ba ko ko sala te. Ce que les ba swahili ne peuvent pas faire. Ce sont des limitations dans l'esprit. Ce sont des limitations dans l'esprit. Mais il faut qu'on brise ba limitation là. Il faut briser ces limitations là. Parce que Dieu ne nous a pas limités. Il a abandonné le ciel et est venu sur terre. Il a ouvert le ciel est resté ouvert. C'est comme quand on a limité Daniel. Que la bénédiction ne pouvait pas arriver. L'ange ne pouvait pas faire un mouvement quittant de ciel vers Daniel. C'est une limitation spirituelle. À cause des déesses. À cause des divinités. Plusieurs vivent en dessous des limitations. Même ange yo batinda ya ko secourir yo. Même l'ange qu'on envoie pour te secourir. Azo comme pas yo zate. Il n'arrive pas là où toi tu es. Parce que l'environnement est pollué. Parce que l'environnement
L'environnement est pollué. L'environnement spirituel est bloqué. L'environnement spirituel est bloqué. Dans ma divinité, on va aller te surveiller. Par des divinités qui te surveillent. Même ange va aller te mettre la bénédiction. Même l'ange qui t'apporte la bénédiction. Azo pour atteindre yoté. N'arrive pas à t'atteindre. Parce que tu es contrôlé, surveillé par des divinités. Limitation na esprit na yo. La limitation dans ton esprit. Makamu mususu yo ko zwate. Certaines choses tu ne peux pas. Ange auta ki na lola. L'ange final ici. Mais la divinité va bloquer. Mais les divinités les ont bloquées. Ako koya ko solo lana na Daniel te. Je ne pouvais pas venir parler avec Daniel. Or ange wana zala koya pona ko révéler Daniel makamu. Or cet ange venait pour révéler à Daniel des choses. Makambo ya ko traverser ba siècles. Des choses qui allaient traverser les siècles. Mais yo pe azo yate. Mais quand toi tu peux. Parce que esprit. Parce que la limitation. Tu es dans ton limitation. Tu ne peux pas dépasser cette limitation. Parce que des divinités se sont levées. Parce que pour Daniel, c'est la divinité de Dieu. Mais chez toi, ce sont les dieux des divinités. La limitation est brisée. Que cette limitation soit brisée. Parce que le Dieu du ciel ne nous a pas imposé de limite. Il a ouvert le ciel et l'a laissé ouvert. Mais les divinités. T'as limité en esprit. T'as limité en esprit. Brisé. Azako, brisé limitation non spirituelle. Je brise toute limitation spirituelle. La sphère non spirituelle, Azako, brise limitation. Dans toute sphère, je brise les limitations. Ce qui m'empêche d'accéder à la dimension supérieure. Ce qui m'empêche. Ceux qui m'empêchent d'accéder à la dimension supérieure. Ceux qui m'empêchent d'accéder à la dimension supérieure. Je les brise. Je les brise. Limitation non sont. Toute limitation. Examine à ma divinité. M'empêcher d'atteindre le niveau que je soutiens. Qui m'empêche d'atteindre le niveau supérieur. Ceux qui me stoppent. Depuis longtemps. Je les brise. Je les brise. Limitation spirituelle. La limitation spirituelle. Établie dans la loi et la divinité. Établie par les lois des divinités. Qui m'empêche d'accéder à la dimension supérieure. Qui m'empêche d'accéder à la dimension spirituelle. Ah. Yes. Je les brise. Je brise ces limitations. Qui m'empêche de toucher à certaines choses. Qui m'empêche d'entrer en profondeur. Je les brise. Je les brise. Yes. Il faut percer. Saison, c'est la saison. C'est ta saison. Il faut percer. Tu dois percer. Il faut le calimiter. Tu dois dépasser cette limite. Yaba. Il faut le calimiter. Tu dois dépasser cette limite. Il
faut matin. Tu dois monter. Il faut kota. Tu dois entrer. Il faut percer. Tu dois percer. Yeah, 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 yeah. Roche. Robots. Damas. Il y a des choses que tu dois toucher. Il y a des choses que tu dois voir. Il y a des choses que tu dois entendre. Mais tu es limité. Tu es limité. Yoka. Écoute. Dieu demeure Dieu. À un certain niveau, il y a vie dans la spirituelle. À un certain niveau de ma vie spirituelle. Na koti na bitumba ya ba divinité. Je suis entré dans le combat des divinités. Eza bitumba entre la vie et la mort. C'est un combat entre la vie et la mort. Nozomona batu mususu akobo bela lokola linga kufa. C'est comme ça que tu vois des gens tomber malades sur le point de mourir. Eza ko yela ndenge na ndenge. Ils ont différents problèmes. C'est comme si croire en Dieu c'est un problème. C'est parce que tu arrives au niveau des divinités. Si tu ne meurs pas, c'est que tu passeras. Et ce n'est pas facile. Et c'est pas facile. Au dernier combat na yo. C'est-à-dire que tu arrives à ton dernier combat. Alors, na komi na niveau wana. Maintenant je suis arrivé à ce niveau-là. Nazalaki entre la vie et la mort. J'étais entre la vie et la mort. Na kengo na keko sambela. Je suis allé prier. Na prier, na prier. J'ai prié. Zambaza ko révélé nga makambo. Dieu m'a révélé des choses. Il y avait un esprit où azala ko contrôlé nga partout na zo kende. Il y avait un esprit qui me contrôlait partout où j'allais. Azo se manifestait na forme serpent. Il se manifestait sous la forme d'un serpent. Place nyonso na ko kende sala musala. Partout où j'allais faire un service. Il faut na mona ye na butu na ngai. Je devais le voir la nuit. Zamba lo bitala ye wana. Dieu me dit, vous le voici. C'est lui qui a vaincu toute ta lignée paternelle. Maintenant c'est ton tour. Tu pleurais pour que je t'élève, mais je ne pouvais pas t'élever. Parce que dans l'élévation, dans le monde des géants, tu n'aurais pas tenu 5 minutes. Parce que celui qui était en toi, celui qui te contrôlait, il allait s'entendre avec ceux qui te combattaient. Et il t'aurait achevé. Mais comme moi j'ai besoin de toi, c'est pour ça que je te protège. Maintenant comme il est tombé, je vais t'élever. Amen. Amen. C'est là que mon élévation a commencé. Mon esprit s'est ouvert jusqu'à ce jour. Donc plusieurs sont arrivés à ce niveau-là. Il y en a qui combattent et qui n'arrivent pas à vaincre. Maintenant cette saison, il y a des choses que tu dois toucher. Tu as demandé et Dieu te les a envoyées. Tu ne peux pas les toucher. Parce que spirituellement, si tu les touches, tu mourras. C'est comme ça que tu vois certaines personnes toucher les bénédictions et ils meurent. Parce qu'il y a une limitation qu'on a imposée. Mais cette fois-ci, tu vas en finir avec eux. Parce que Dieu a décidé que tu les touches. Élève tes mains. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit que tu t'abandonnes à lui. Faire comprendre. Fais-moi comprendre ce que je n'ai pas encore compris. Aide-moi et conduis-moi. Bonne là. Saint-Esprit Asungayo. Que le Saint-Esprit t'aide. Bonne là. Prie. Seul le Saint-Esprit Ndako Sungayo. Seul le Saint-Esprit peut t'aider. Allô.
Seul Saint-Esprit n'a qu'au Sungayo. Seul le Saint-Esprit peut t'aider. Bonera molimo mon Santo Sungayo. Prie et demande le Saint-Esprit. Saint-Esprit à revêtir yo. Le Saint-Esprit. Molimo mon Santo Sungayo. Que le Saint-Esprit t'aide. Saint-Esprit au Sunga au Salisa. Que le Saint-Esprit aide et conduit. Na kombo na Yesu Christo. Au nom de Jésus. Molimo mon Santo Sunga au Salisa. Saint-Esprit conduit et Molimo aide. Molimo mon Santo Mimonisa. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Guyana e sala. Que ta puissance agisse. E sala kati na ngai. Qu'elle agisse en moi. Bona jo boyebi. Pour que j'acquière la connaissance. Loba amen mbalamisato. Dis amen trois fois. Loba amen mbalamisato. Dis amen trois fois. Betela Yesu Christo maboko makasi. Acclame pour le Seigneur Jésus.